Chers pèlerins, bonsoir. Nous sommes réunis pour participer à l'Eucharistie que Jésus a voulu laisser à son Église en mémoire du grand amour qu'il a pour le monde, pour chacun et chacune d'entre nous. Puissions-nous trouver dans cette célébration la joie de vivre et de servir. Notre célébration sera présidée par le Père Claude Groux, religieux de Sainte-Croix. Tonight, the Church remembers the Last Supper, during which our Lord, on the eve of his passion and death, institutes the sacrament of the Eucharist, and he sums it up with what he calls a new commandment, the command to love one another. Through his sacrament of salvation, the Lord made real for all those who believe in him the most intimate union possible between our lives and his. Tonight's celebration is presided by Father Claude Groux of the Congregation of Holy Cross. Nous allons maintenant entrer ensemble dans cette célébration en chantant avec les petits chanteurs du Mont-Royal « Notre fierté, c'est la croix du Christ » au numéro 1 de votre feuillet. Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous sur notre chaîne YouTube. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui nous révèle le secret de sa vie et de sa mort, soit toujours avec vous. Et
et avec votre esprit. Ce soir, nous entrons dans les célébrations qui nous mènent vers Pâques. En célébrant ce dernier repas avec ses disciples, nous faisons mémoire de ce qu'il a accompli pour nous. Deux gestes importants ponctuent ce dernier repas, le lavement des pieds et le partage du pain et du vin. This evening, we have come together to celebrate the memory of Jesus' farewell meal. Like the lowliest of servants, he washed the feet of his disciples and told them to become like him, servants of people, servants of mercy. Then as they were eating, he passed the bread and the wine to them, saying, "This is my body broken to you. This is the cup of my blood shed for you." À l'heure où le Seigneur nous rassemble pour entrer dans sa Pâque, faisons-nous approcher par sa miséricorde. Que Dieu, amour sans mesure, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En célébrant cette grande fête de la scène du Seigneur, proclamons la gloire de notre Dieu. Pitié de nous. Gloire.
Bénissons le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau. Le repas, qui est le sacrement de son amour, donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. O God, who have called us to participate in this most sacred supper, in which your only begotten Son, when about to hand himself over to death, entrusted to the Church sacrifice new for all eternity, the banquet of his love, grant, we pray, that we may draw from so great a mystery the fullness of charity and of life. This we pray through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of Exodus. The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, "This month shall mark for you the beginning of the months. It shall be the first month of the year for you. Tell the whole congregation of Israel that on the 10th of this month, they are to take a lamb for each family, a lamb for each household. If a household is too small for a whole lamb, it shall join its closer neighbor in obtaining one. The lamb shall be divided in proportion to the number of people who eat of it. Your lamb shall be without blemish, a year-old male. You may take it from the sheep or from the goats. You shall keep it until the 14 days of this month. Then the whole assembled congregation of Israel shall slaughter it at twilight. They shall take some of the blood and put it on the two doorposts and the lintel of the houses in which they eat it. They shall eat the lamb that same night. They shall eat it roasted over the fire with unleavened bread and bitter herbs. This is how you shall eat it: your loins girded, your sandals on the feet, and your staff in your hand, and you shall eat it hurriedly. It is the Passover of the Lord, for I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike down every firstborn in the land of Egypt, both human beings and animals, on all gods of Egypt. I will execute judgment. I am the Lord. The blood shall be a sign for you in the houses where you live. When I see the blood, I will pass over you, and no plague shall destroy you. When I strike the land of Egypt, this day shall be a day of remembrance for you. You shall celebrate it as a festival to the Lord. Throughout the generations, you shall observe it as a perpetual ordinance." The word of the Lord. Thanks be to God. La coupe de bénédiction.
la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. D'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table,
dépose son vêtement et prend un linge. Il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Pour ce qu'on est.
Il arriva donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les textes que nous venons d'entendre nous invitent à faire un long voyage dans le temps pour mieux saisir l'immensité de la célébration qui débute ce soir et qui se terminera dans la nuit pascale. Ce long périple, comme nous le rappelle la première lecture, nous ramène à ces temps anciens quand le peuple d'Israël s'est libéré d'Égypte. Ce mouvement, ce passage qui amenait de passer à l'esclavage, à la liberté. Et depuis des siècles, les Juifs faisaient mémoire de cet événement lors de la fête de la Pâque. Ces fêtes qui rappelaient le passage à la liberté, rappelaient à chaque année l'action de Dieu d'Israël qui vient sauver son peuple. Jésus est monté à Jérusalem, la ville sainte par excellence, pour participer justement avec ses disciples aux grandes festivités de la Pâque. Il a voulu vivre avec eux cette Pâque, en sachant bien qu'une nouvelle étape serait bientôt franchie dans l'action de Dieu pour son peuple. Ce repas de la Pâque revêt un caractère solennel. Il ouvre la porte à une nouvelle manifestation de l'amour de Dieu pour ce peuple nouveau qui se constitue autour de lui. Et l'évangéliste Jean, qui a déjà parlé du Seigneur qui nous invite à communier à son corps et à son sang, dans la lecture d'aujourd'hui, nous invite surtout à tourner notre attention vers cet autre moment de ce dernier repas. À une époque où les gens se déplaçaient à pied sur des routes poussiéreuses, il était essentiel de se laver les pieds avant de se mettre à table. Dans les grandes maisons, c'était le dernier des serviteurs ou des esclaves qui avait les tâches ingrates de laver les pieds des visiteurs. Et Jésus se place dans cette position d'humble serviteur. Ses disciples l'ont déjà reconnu comme maître. Ils sont certainement embarrassés, comme le marque Pierre, par cette situation. Mais Jésus insiste sur l'importance de ce geste. Avant de présider à la table, avant de bénir le pain et la coupe, il doit dire une dernière fois, par un geste puissant, qu'il est d'abord venu pour servir. The evangelist John has already spoken in other places about the Lord's Supper. In this period, he wants to insist on another aspect. At a time when people traveled on foot along dusty roads, it was essential to wash one's feet before sitting down to eat. His disciples have already recognized him as a master, and
They are certainly embarrassed by the situation, as Peter has it. But Jesus insists on the importance of this gesture. Before presiding over the table, blessing the bread and the cup, he must say one last time with this powerful gesture that he has come first and foremost to serve. There is an essential link between the two great moments of this meal, this gesture of the servant who washes the feet of the guests and the solemn gesture of the one who soon says, as he shared the bread and wine, "This is my body, this is my blood, given to you, given as an ultimate service." After sharing the bread and the wine, Jesus said to his disciples, "Do this in remembrance of me." After washing their feet, he says to them, "This is an example I have given to you, so that you too may do as I have done for you." The parallel is clear. There are two commandments: share the bread and the wine. Do this in memory of me. But wash the feet of your brothers and sisters. Do this in memory of me, as I have done it. Il y a donc un lien essentiel entre ces deux grands moments de ce repas que nous célébrons, le geste du serviteur qui lave les pieds des convives et le geste solennel de celui qui dira bientôt, en partageant le pain et le vin, « Ceci est mon corps et mon sang, donné pour vous. » Après avoir partagé le pain et le vin, Jésus dit à ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi. » Après le lavement des pieds, c'est un exemple que je vous donne afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Le parallèle me semble clair. Les deux dimensions sont indissociables dans la vie des disciples, indissociables dans notre vie. Nous ne pouvons célébrer l'Eucharistie, le pain et le vin, si nous ne mettons pas au cœur de notre vie ce geste d'être au service de nos frères et de nos sœurs. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voyons ces hommes et ces femmes qui se dévouent généreusement pour aider les millions de personnes menacées par la guerre et la famine. Comme nous le voyons tristement dans la bande de Gaza, par exemple, mais nous voyons aussi à nos portes et souvent tout près de nous des personnes qui ont besoin de notre compassion, qui ont besoin que, d'une manière figurée, nous allions laver les pieds, nous allions porter secours, parfois simplement le secours d'une main secourable, le secours d'une parole qui guérit, le secours d'un sourire qui aide à avancer. Tout cela, ça fait partie de cet appel à laver les pieds pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie sans l'engagement au service des autres n'est pas complet. Le partage du corps et du sang du Christ nous renvoie constamment à notre appel à marcher à la suite de celui qui lave les pieds de ses disciples et qui manifeste ainsi qu'il est venu pour servir. Brothers and sisters, in this evening's celebration, we wanted to express more clearly the power of Jesus' gesture, a gesture that invites us to follow his example. In taking up this gesture, we are reminded that if the priests take up the Lord's gesture in celebrating the Eucharist, he is also a person ready to wash the feet of those who are around him. And in this way, he calls us as well to always place together these two dimensions of our life, the sharing of the bread of life and the serving of our brothers and sisters. As disciples of Christ, in the humble ways in which we can do it day after day, we are called to serve so that when we come to share the bread and wine, when we come to share the Eucharist, we bring with us our sharing, the attitude of the servants, the Lord who washed the feet of his brothers and sisters.
Frères et sœurs, si nous voulons voir dans cette célébration un signe de l'institution de l'Eucharistie et même, par extension, de l'ordre des prêtres, il faut y voir aussi ce signe du lavement des pieds. Pour les prêtres, comme pour tout chrétien, l'Eucharistie est toujours reliée au service des autres, des pauvres, au lavement des pieds. May the Lord, who invites us this evening to welcome him in this Eucharist, also give us the strength and love we need to put ourselves at the service of our sisters and brothers every day. Que le Seigneur, qui nous invite ce soir à l'accueillir dans l'Eucharistie, nous donne aussi la force et l'amour nécessaires pour nous mettre chaque jour au service de nos sœurs et de nos frères. Amen. À ce repas du soir, ce repas de l'Eucharistie, un peu différent des autres, nous sommes invités avec les apôtres à la scène du Seigneur. Prions-le pour que nous puissions entrer dans ses propres attitudes et dispositions de la nuit qui a précédé sa souffrance. As we gather to celebrate this very special day, let us now place before the Lord our intentions of prayer. Après chacune des intentions, nous dirons reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. And you might also answer, Lord, stay with us. Lord, stay with us. Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu, tu fais la volonté du Père jusqu'au bout. Tu es fidèle à ta mission d'amour. Donne-nous la même loyauté afin que nous ne cherchions pas notre propre volonté, mais la volonté du Père. Nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Lord, at the Last Supper, you found a way to stay with those you love. Give us the strength to keep standing by the side of those in need of love, that we may support them in their misery and give them hope in life and in you. We pray to you, Lord. Lord, stay with us. Christ, notre Sauveur, lors de la dernière scène, tu nous as donné ton commandement d'amour comme dernier testament. Engage-nous à accomplir les œuvres d'amour afin que nous puissions célébrer en toute vérité l'Eucharistie, en œuvrant pour la justice sociale, la paix et le respect de la dignité humaine. Nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Lord, on this night, you show that your love does not consist in mere words, but that is stronger than death. For you give your life for us. Give us the strength to love you and others with love stronger than words, with a loyal and total love. We pray to you, Lord. Lord, stay with us. Seigneur Jésus, ce soir, tu nous montres que l'amour est synonyme de service désintéressé. Accorde-nous la grâce
et le courage de ne pas faire le bien pour être vu par les gens, mais d'aider les autres tranquillement et discrètement, afin de respecter leur dignité humaine. Nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Dans un moment de prière plus personnel, pensons aux personnes autour de nous qui ont besoin de notre support, de nos prières. Let us take a moment to think of people around us who need our prayer. Let us pray for ourselves and for those who are close and near to us. Seigneur Jésus, tu as voulu au moment de nous quitter, nous laisser le mémorial de ta passion et de ta résurrection, don suprême de ton amour. Accorde-nous par ton esprit d'être plus conscients de ce mystère pascal et d'y participer avec une foi ardente et une brûlante charité, pour que, comme toi, nous devenions offrande d'amour à ton Père éternel, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très aimant, Dieu éternel et tout puissant par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et il nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Christian, our Bishop, Alan, the Auxiliary Bishop, and all the clergy.
Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, gathered here, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, the Blessed Apostles, and all the saints, Saint Brother Andrew and Blessed Basil Moro, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coerced to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons maintenant dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, je dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, partageons avec ceux qui nous entourent un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité. Grant, Almighty God, that with just as we are renewed by the supper of your Son in this present age, so may we enjoy the banquet for all eternity. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Quelques brèves informations sur le reste de ces grands jours de la Semaine Sainte. Donc demain, c'est le Vendredi Saint, la célébration de la Passion du Seigneur à 15 heures, en français dans la basilique et en anglais dans la crypte. Tomorrow, the celebration of the death of Christ in the crypt church will be at 3 o'clock here in the crypt church. Et le chemin de croix à 19h30 dans la crypte aussi. The bilingual way of the cross will be here in the crypt church tomorrow at 7:30. Samedi Saint, 30 mars, célébration de la veillée pascale à 19h30 en français dans la basilique, en anglais dans la crypte. Encore pour la célébration de la veillée pascale à 19h30 samedi soir, donc 19h30, la célébration dans la basilique est en français et dans la crypte en anglais. Finalement, dimanche 31 mars, c'est la grande fête de la résurrection du Seigneur. Les messes en français à 7h, 8h et 9h30. Celles en anglais et en espagnol seront dans la crypte. Les autres seront dans la basilique. On Sunday, for the Easter day, the mass in English at 11:15 will be here in the crypt church. So will be the Spanish mass and the mass after 9 o'clock in the morning will be all, the French mass will be all in the Basilica. Lors du dernier repas, Jésus a laissé à ses disciples un mémorial de sa présence et de son amour. Partager le corps et le sang du Seigneur en rappel de ce repas, c'est garder vivante sa présence et se mettre en état de veille jusqu'à ce qu'il revienne. On the evening following the Last Supper, Jesus spends the night in prayer. By carrying the Eucharist in procession, we symbolically accompany Jesus into the Garden of Olives. Even though his disciples could not remain awake to keep vigil with him, we ourselves keep vigil this night. During the procession, we will sing, C'est toi, Seigneur, le pain rompu. C'est toi, Seigneur, notre Dieu.
Dieu notre Père, tu nous as permis ce soir de nous rappeler la scène de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donne-nous de si bien partager ses sentiments et son espérance que nous devenions véritablement son corps ici et maintenant. Garde-nous dans l'unité de l'Esprit Saint et veille sur nous comme tu veillais sur ton peuple Israël dans le pays d'Égypte. Amen. Amen. Chers pèlerins, ici s'achève notre célébration. Vous êtes invités à veiller en présence du Seigneur avec le Père Parnell Monrose et les bénévoles en liturgie jusqu'à la fermeture de la crypte. Nous prierons d'abord en silence. Ensuite, vous avez reçu un feuillet avec les chants qui vous seront proposés. Bonne participation à toutes et à tous. Nous allons veiller en silence, sans musique, dans le silence profond de notre cœur et de notre âme.